Hop hop hop. Oui, cette vidéo est un petit peu différente des autres, tout simplement parce que j'ai voulu tester un truc. Et avant qu'on me l'écrive en commentaire, c'est totalement un concept qui a déjà été fait par MyFuckingMess et un tas de youtubeurs américains. L'objectif, c'était juste de produire quelque chose de plus rapide et qui me faisait kiffer. Alors si ça vous a plu, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Et dans le cas contraire, bah c'est pareil. Sur ce, bon visionnage. Ok, du coup, on est avec Axiom. Salut. Voilà, toujours très heureux d'être là. Il dessine de façon pas dégueu, hein. Donc je vais afficher normalement quelques petits dessins qu'il a fait, notamment la bannière et la photo de profil, bon voilà. C'est moi gros. Est-ce que t'es stressé? Un peu, parce que j'aime bien Pokémon, hein. Normalement je suis fan, mais après les dessins, je suis pas sûr que tu me crois quand je dis que je suis fan de Pokémon. Et on va commencer avec... Non! Non, c'est trop dur! C'est trop dur, mais il va falloir le faire, hein. Je vais te créer un monstre, hein. Là, on part sur du concept, hein. Je fais autre chose. Donc, je crois qu'il avait des yeux comme ça. J'ai les couleurs en tête, au moins. C'est déjà ça. Maintenant, le visuel... Honnêtement, on a l'impression que je suis en train de faire un personnage d'Hollow Knight, pour l'instant. Parce qu'il me semble qu'elle a des trucs sur la tête, mais je me souviens plus trop... Je me souviens plus en fait. En vrai, je me souviens qu'il y avait. Bon, je vais pas t'aider non plus, mais je me souviens qu'il y avait genre un délire comme ça, je crois. Souvenir, elle a une sorte d'écharpe, non, un truc. Alors là, mon gars, c'est chacun sa pomme là. Non, mais là, je suis en train de faire un scarabée habillé Gucci, ça va pas. En fait, j'arrive pas à savoir comment son visage est. Je pense que j'ai une idée à peu près de sa forme, tu vois. Mais son visage, je sais pas du tout comment sont ses yeux, tout ça. Là, je lui ai fait des yeux un peu. Je vais faire une structure. Elle avait pas des cornes. Mais si, je l'ai fait ça. Mais elles sont situées où? Franchement, j'espère que tu vas montrer un beau diaporama de mes dessins, parce qu'il faut pas que les gens restent sur ça. D'ailleurs, le diaporama, c'est maintenant. Moi, je crois que j'ai été violent avec lui, mais j'ai eu des regrets. T'es un bon, hein. Ouais. Mais je lui ai quand même bien cassé la gueule, et ça reste à vie. Hein. Ouais, bah c'est... Enfin ouais, c'est convaincant quoi. Jusque maintenant, ça a l'air fort convaincant. Moi en fait, je crois que je vois dans le futur et je suis en train de faire une forme d'une région qui n'existe pas encore. Non, franchement, moi je suis vraiment confiant sur le tien. Moi je pense que... Hé, hey, on a le mood, hein. Cocortine avec un R comme raté. Qui ressemble à quoi? Ah ouais. Je lui ai fait une écharpe. Il a pas d'écharpe. Je suis pas du tout sur les bonnes couleurs. Je suis pas du tout sur les bons yeux. J'ai juste le bec. Mais il est démoniaque le tien. Mais je te dis, le mien il fait peur. Bon, le mien par contre il est... Allez, Pokémon suivant. On peut pas se chier sur Floravol. Non, je pense ça fait partie des Pokémon chewing-gum où c'est plutôt facile, normalement. Ta phrase, elle va nous mettre dans la merde. Je crois que c'est... Non, c'est peut-être pas comme ça. Ça y est, ça commence. Il a 4 pattes ou il y en a que 2? Bonne question. Vas-y, je l'en fais 4. Oh mon dieu, là, plus le temps passe, plus je me dis que c'est probablement parce qu'il est simple qu'il est difficile. T'as vu la bête de phrase? Celui-là, je suis plutôt confiant, tu vois. Je me dis, c'est pas comme Cocotine. Là, je pense que je l'ai. Je vais recevoir des tonnes de commentaires de leçons de dessin. Non, mais Icone, c'est pas normal ce que tu fais! T'as pas construit ton dessin, y'a pas les muscles, y'a pas l'anatomie. Il est où le croquis? Cocotine, là, je le regarde, le tien, t'avais quand même les yeux. Hein. En fait, t'avais quand même. Ouais, t'avais même la couleur. En vrai, ça va. Non, si on regarde juste le niveau des yeux avec le bec, t'étais bon. Genre, tu m'aurais juste donné ça, j'aurais fait oh, ok. Ah ouais? Mais y'a eu le reste. Oh! Oh, oh, il est tout mignon, oh. Tiens, on dirait qu'il est allongé. Et du coup, ça, c'est le Pokémon de base. Waouh, les oreilles. On a oublié les oreilles, par contre, la bouche, tu l'avais, hein. Ouais, la bouche, je l'avais un peu. Et même la fleur, tu l'avais de dingue. Et il avait une queue, il a une queue. Bon, prochain Pokémon. Oh, le plus beau. Ah, j'espère que je vais pas le foirer. Oh là là. Moi, si je peux t'aider, je me souviens qu'il a vraiment une forme d'œuf, hein. D'œuf? Ouais. Moi, pour l'instant, c'est Kirby avec des palmes. Tu savais, sinon, que Darumaron, il était inspiré d'une légende nordique. C'est pour ça qu'il a son type glace à Galar. En gros, un jour, alors qu'un enfant jouait dans les montagnes, il a vu un animal coincé dans la neige, à cause d'une avalanche. Et en voulant l'aider, le garçon est mort d'hypothermie. Et donc, en voyant sa bravoure, Odin a décidé de le ressusciter. Et depuis, on raconte qu'à l'époque, aussi bien à Galar que dans la légende, là-bas, les gens utilisaient son caca pour se tenir chaud l'hiver. Attends, le quoi t'as dit? Le caca. Ok, j'avais bien entendu. Parce que c'était un peu le symbole de la chaleur que dégageait son âme. Évidemment, c'est totalement faux, mais à Unis, on utilisait bel et bien le caca de Darumaron pour se tenir chaud l'hiver. C'est dit dans son Pokédex. Merde.
C'est le cas de le dire. C'est le caca de le dire, Zico. Je suis en train de lui faire des trucs, on dirait des tétons. Je crois que je suis en train de lui faire des mamelons là. Bon, Daru mon cul, j'ai oublié le nom. Il s'appelle comment? Daru mamelon. Non. En vrai, je crois que je l'ai. Je crois que... Ah là là, je suis un peu content de moi. Moi aussi, jusque maintenant. Mec, on dirait que mon Daru Mamelon, il fait un Genki Dama. Mais arrête de l'appeler Daru Mamelon. Je suis sûr, il s'appelle pas comme ça. Daru Mamelon. Mais je te jure qu'il s'appelle Daru Mamelon. Et son évolution, c'est quoi? Daru Macho. Ok, j'avais Daru Macho, mais Daru Mamelon... Oh. Oh, mais il est trop bien, le tien. Il fait un Genki Dama. Et du coup, le vrai Daru Marron de Galar, parce que c'est pas Daru Mamelon du coup, mais tu lui as vraiment fait des mamelons. Oh, on était pas si loin. Bon, moi, je lui ai fait vraiment des palmes et des tout petites jambes, alors qu'il a des grosses jambes. Mais ouais, on était pas si loin. Et je lui ai fait ses sourcils à l'enfer aussi. Bon, est-ce qu'on part sur le Derdéder? Le Derdéder? Le Derdéder, l'ultime. Non! Oh mon dieu! Ça va être trop dur, trop dur. Oh mon dieu! Là, on a fait que des Pokémon petits, ronds, mais là, Karchakrok. Oh, ça va être horrible. On va passer beaucoup de temps dessus. C'est Karchakro ou Karchakrok? Parce que pour moi, on dit Chocapic, tu vois, donc on prononce le. On dit quoi? Chocapic, tu vois, on dit pas Chocapi. Ah ouais, on est vraiment sur un débat parallèle, hein, là. Moi, je cherche. Je suis un scientifique. En vrai, il était costaud de souvenir, hein. Non, moi, je l'ai fait costaud. Pour toi, Karchakrok ou Karchakro, il est violet ou il est bleu? Ouais, il est bleu. Zero Van, dans ma tête, il est un peu violet, quand même. Tu l'as fait violet? Pour moi, il est bleu de ouf, hein. T'es sûr? Ouais. Oh ouais! Eh, hey, on l'a tous les deux quand même. Tu l'as vraiment fait violet, toi. Par contre, le tien est vraiment classe. Genre, il pourrait faire un méga Karchakro. Mais je me souvenais plus du tout de la queue et des jambes. Le vrai Karchakro, c'est lui. Ah ouais, alors du coup, sur les jambes, je me suis bien foiré. Mais attends, mais regarde, les cornes du mien. Des petits missiles, là. Pour moi, c'était le truc de Karchakro. C'était qu'il avait vraiment des grandes nageoires et des griffes au bout. Du coup, t'en as pensé quoi, Axiom? Eh bah, franchement... C'était très sympa. Je trouve qu'on s'en est... À part pour Cocotine, je pense qu'on s'en est bien tiré quand même. On a les idées plutôt claires sur les Pokémon. Après, bon, c'est le dessin qui joue, mais... Je suis d'accord, on s'en est quand même grave bien sorti. Il y a eu des hauts et des bas. Il y a eu des Pokémon énervés et d'autres moins. Il y a eu des très très bas. Hein. Floravol, ça va. On s'en est bien tiré. On a juste oublié ses grosses oreilles. Mais en vrai, c'est vrai qu'il a une queue, hein. Je me demande à quoi elle ressemble. Daru Marron, a.k.a. Daru Mamelon. Pour moi, c'est mon préféré. Vraiment, il est trop bien. Le tien, il est trop drôle. Après, je me rappelais plus du tout de ses petits doigts comme ça. Je pensais vraiment que c'était des sortes de palmes. En vrai, j'ai loupé tellement de choses sur mon Karchakrok. Il est vide. T'aurais fait ses grandes nageoires. Je pense que tu l'avais quand même. Après, c'est vrai que tu lui as fait un petit museau, là. Après, il a ça, hein. Il a un petit peu cette forme. Mais du coup, le tien, on dirait qu'il fait un peu... C'est un peu Karchakro. Bah, en vrai, s'il y a bien une leçon qu'on devait retenir de tout ça, c'est que c'est pas parce que on connaît les Pokémon qu'on s'en souvient. Ouais. Sur ce, Karchakro.